Alors, merci Vera Grigorina. Et maintenant, Vera Alexeyevna, dites quelques mots. Quel est votre hobby? Mon hobby, c'est le retour au sein de la nature. J'aime beaucoup la nature. Et je profite chaque moment de mon loisir en se promenant dans notre parc Hydropark, Kargotivka. Le samedi, le dimanche, je tâche de prendre mon petit-fils et nous nous promenons à travers les bois. Les bois, et je trouve le calme au sein de la nature. L'âme commence à se calmer. C'est bien et je suis contente que j'ai la possibilité de me promener What is your hobby, please? Well, maybe the greatest hobby in my life at present is my dog. So everybody of my friends in Karpatia, well, can see my dog. It's the Roman. Its name is Caesar. Caesar in English and Caesar in Ukrainian. Well, by the way, beside this hobby, I help my husband to collect coins. So my group saw I brought you coins, and you could see coins from different countries. Do you remember? Oh, yeah, what coins? Did you see it? So, dollars, euro, pounds, not euros, dollars, cents, and pounds, great Britain. Well. Les voitures. Il y a sept ans, je suis accro aux voitures. J'ai des collections de dessins des voitures. Je ne peux pas me passer des voitures. Mon hobby est très intéressant. J'aime occuper de ma collection chaque jour. Ma collection a 29 dessins des voitures. C'est tout. Merci. Je m'intéresse au rock alternatif. Il y a trois ans, quand je suis accro, le rock alternatif. J'aime le groupe du rock quand j'ai le temps libre. Je ne peux pas me passer du rock. Mes groupes préférés, ce sont Poison of the Fall, The Nickelback, Papa Roach et 30 Seconds to Mars. Je vais vous présenter la chanson de mes groupes préférés. En français.
Je reçois. Je reçois. Je gagne. Je gagne, oui. Je gagne C'est quel site? Quel site est-ce? C'est cherdeki.com. C'est tout? Magicienne. Oui. Magicienne. Mon passe-temps préféré est la collection de voitures. Je m'intéresse à l'histoire des voitures. Je suis accro depuis 2009. J'aime lire du magazine sur la voiture parce que c'est très intéressant. Je préfère les modèles soviétiques, par exemple le SAS 68A. C'est cool. La collection des monnaies. C'est mon hobby. Ma collection, c'est grande. Il y a trois albums. J'ai deux anciens et modernes. Depuis 2014, j'ai une collection. Je m'occupe de mon collection avec mon papa. Mon passe-temps préféré est la musique et les soutiens. Je m'intéresse à la musique. J'aime la musique. Il y a 2 ans. J'ai un groupe de la musique chaque jour. J'ai écouté la musique. J'aime chanter la musique, les chansons connues. Aussi, je joue au volleyball. C'est très intéressant. Les soutiens, c'est véritable miracle tout faire. Alors, tu t'intéresses aux produits de beauté? Hein? Tu t'intéresses aux produits de beauté, oui? Tu caches ces cosmétiques? Faire de la cosmétique, c'est mon corps. J'aime la cosmétique. Alors, tu produis la cosmétique, les produits? Tu produis toi-même? Non. Сама производишь? Alors, et qu'est-ce que... C'est seulement différentes productions. J'aime chanter... Cette pommade... C'est pas la pommade, c'est le rouge à lèvres. Elle fait lèvres et la teinte. Elle est claire. Dima. Maintenant, c'est Dima qui parle. Mon passe-temps préféré est le dessin. Le dessin. Le dessin. J'ai fréquenté le cercle du dessin. J'ai connexion des dessins. Alors, ce sont tes dessins, oui? Ce sont tes dessins. Continue, Dima. Les projets sur les hobbies, les projets sont assez intéressants et je peux dire que vous avez des intérêts tout à fait différents. C'est bien avoir un hobby parce que si tu as un hobby, si quelque chose t'intéresse, ça veut dire que la vie devient multicolore et la vie devient passionnante. Mais malheureusement, je dois dire que certains de vous ont négligé la préparation. C'est-à-dire, vous avez fait beaucoup d'attention à la préparation des projets, mais vous n'avez pas fait beaucoup d'attention à l'apprentissage de votre présentation. Vous recevez de bonnes notes aujourd'hui parce que vous avez bien travaillé. Je suis contente parce que je crois que notre présentation a réussi. Et vous, vous êtes content? Oui. Oui, c'était intéressant. Alors, et je crois que ces matériaux que j'ai filmés, nous allons placer dans un blog que nous allons créer avec vous. Alors.